Vous l'avez dit, donc le mariage offre une protection juridique. C'est pas quelque chose qui est fait souvent par amour. Il y a quelque chose que je me demande. Enfin, moi, je suis apprentie journaliste, donc je suis pas encore journaliste. C'est qu'en fait, on sait qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, elle est majoritairement de gauche. Le Sénat, il est majoritairement de gauche. Donc, a priori, il devrait voter pour. Il y a 15 000 enfants en France qui sont dans des familles homoparentales. Et en fait, voilà, ce que je me demandais, en fait, c'est pourquoi est-ce que vous refusez d'offrir en fait cette protection juridique à ces enfants qui existent déjà et qui sont déjà dans ces familles ? Chère madame, nous ne refusons rien du tout. On peut tout à fait, effectivement, donner une protection juridique à des enfants par des droits éducatifs, par une extension de l'autorité parentale, mais pas du droit de parenté. Un enfant ne peut pas avoir pour deux parents dans sa filiation deux hommes ou deux femmes. C'est ce que nous contestons. La loi Taubira va trop loin. Voilà. En revanche, de la parentalité en termes d'adoption simple, par exemple, est tout à fait logique. Mais la vraie problématique, c'est les droits procréatifs ouverts aux personnes de même sexe qui éliminent le sexe opposé, c'est-à-dire qu'on fera des enfants sans hommes pour deux femmes et sans femmes pour deux hommes. Voilà. C'est tout simple.